The arrival of this marine chronometer number 30 is really an incredible event. And we found this particular piece in an auction in New York. Honestly, we don't know how it got to this auction, but of course we would like to maybe connect with the former owner of the piece. Ferdinand Berthoud a fabriqué une série de 5 chronomètres de marine entre 1778 et 1782. Deux sont partis avec l'expédition sur les frégates La Boussole et l'Astrolabe de la Pérouse en 1785. Le 30, c'est le seul de ces 5 chronomètres aujourd'hui qui a son cabinet d'origine, son écrin, son coffret. Les étapes principales de la restauration de ce cabinet, c'est de rétablir ce couvercle coulissant qui laissait apparaître une vitre afin de pouvoir voir l'heure. Ça, c'était pour les officiers. Seul le capitaine du bateau avait la clé du chronomètre de marine pour ouvrir le coffret et pouvoir remonter ce chronomètre. Cette clé de remontage était située à l'intérieur du chronomètre. Son support, on a vu des traces, on va le refaire exactement d'après ces traces et d'après les documents qu'on a trouvés. Je me suis très vite aperçu qu'il manquait ce compas d'ouverture qui est une pièce emblématique du coffret Ferdinand Berthoud. Et donc les traces sous les petites baguettes de bois, comme on a vu, étaient là. Le positionnement des vis, le positionnement de la partie charnière, toutes les proportions sont justes et exactement comme d'autres pièces de Ferdinand Berthoud. Et ça, c'était très important. La clé de serrure n'était pas bonne, on l'a refaite. On a refait l'entrée de serrure, on avait la chance d'avoir la marque sur le bois. Ça a été quelque chose d'extra. Bien sûr, enlever cette teinte qui la recouvre et pour laisser apparaître ce magnifique noyer. C'est une personne avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, ébéniste, voilà, c'est Monsieur Brossy. Et c'est vraiment quelqu'un qui a la conscience de faire les choses vraiment très bien. Et il a cette culture, il a ce respect, il a ce goût. Voilà, là ce sont les grands axes de la restauration du cabinet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez me faire découvrir cette merveilleuse restauration. Ce merveilleux objet. Voilà. Voilà, donc la pièce a retrouvé son compas perdu. C'est un beau travail, hein? Absolument, oui. On a absolument gardé les trous. On a repris les trous d'origine. Et ce qui est très difficile, c'est de faire une finition, pas trop parfaite. Ouais. Ça doit être parfait et après on doit pour s'allier avec le reste. Toute la visserie, bien sûr, ici, là, toutes les vis ont été changées. Lorsqu'on a enlevé toute cette feutrine qu'il y avait à l'intérieur, il y avait une colle. La colle n'a pas été enlevée avec des produits liquides. Elle a été grattée, on l'a écaillée. On a refait exactement ce qu'il fallait. Le logement pour la voilà. L'intérieur du cabinet a retrouvé sa planche pour pouvoir apercevoir l'heure. Sans devoir ouvrir tout. Voilà. Et ces vis, ces trous de vis, c'était pour visser l'objet. Pour fixer sur une table. Sur une table. Voilà. Et pour pas que le. Pour pas que ça glisse. Voilà. Et le cabinet a trouvé une deuxième jeunesse. Et voilà, il a retrouvé sa couleur d'origine. Voilà, il n'y a aucune teinte. Tout a été ciré, nettoyé. Il fait tic-tac. Parfaitement. Parfaitement. La lunette a retrouvé son petit oreille d'ouverture. Voilà. On a refait une dorure au mercure avec finition à l'agate, comme c'était à l'origine. Qui se marie bien avec le reste. Voilà. Ouais. Les cadrans, vous les avez restaurés? Oui. Alors, cadran argenté à la crème de tartre. Il y a une grande rayure ici qui a disparu. Et le cadran, il a vraiment retrouvé un éclat. Son sourire. Oui. Jolie fusée. Là, les roulés
avec une 250 boyaux. Alors il y a eu des pièces avec des chaînes, des pièces avec des boyaux. Ici, nous avons du boyau. Et là, le ressort, il était en bon état ou vous avez dû... Le spiral. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il ne faut pas y toucher. C'est parfait. Et c'est le cœur de la pièce. C'est un axe de balancier sans pivot. Ouais. Juste les galets. Et juste les trois. Les trois galets supérieurs, trois galets inférieurs. Ouais. Échappement à détente ici. Au niveau de l'échappement, il y avait quand même de l'usure. Et il y avait une pièce qui était défectueuse, il y avait un pont qui était défectueux. Et toutes les rayures d'usinage ont été laissées. Oui. C'est des rayures d'origine. Il ne faut surtout absolument pas toucher le bilame, parce que c'est un thermomètre, il est réglé. Ouais. Et quelle réserve de marche le... 35 heures. Tiens, attends. Donc Nicolas a refait la masse en plomb, on a fondu du plomb. Ouais. Et après, quand on a mis le chronomètre dedans, il n'était pas tout à fait droit. Parce que c'est toujours équilibré. Bien sûr. Parce qu'il y a le poids du ressort de barillet. Et voilà, là, on l'a remis parfaitement de niveau. Là, toute la partie cardan avait subi des chocs. Il y avait énormément de jeux. Ouais. On a tout redressé délicatement. Et si le système ne marcherait ? Comme on ne peut pas intervenir sur le... Ce système intervient sur le balancier. Oui, il vient stopper le balancier. Ouais, d'accord. Là, vous avez une pièce qui est, pour ainsi dire, dans le même état. Comme il l'a livrée à l'époque. En 1782. Ouais. Et c'est la pièce maîtresse de notre collection Berthoud. Voilà. Sans doute. En tout cas, bravo à vous et merci pour... ce mandat. And for us, who actually got our inspiration from one of these marine chronometers, it is Christmas today to have this piece coming home. For us to enhance our inspiration even further, and I already have some ideas looking at the dial of this particular watch, of what we could do going forward.